Au fond, je sais, au fond, je voudrais. L'intuition me guide, mais je ne la laisse pas faire. Quand je prends du recul, je le vois, je m'améliore. Mais je continue toujours à chercher en dehors. Je cherche mon estime dans le regard des autres. Je continue de me dire que tout est de ma faute. Je connais les clés, j'ai toujours le bon mot pour aider. Mais je n'ai jamais su les utiliser. Pourquoi est-ce que je m'accroche au passé? Pourquoi est-ce que je m'accroche au... Je suis moins dur avec moi-même. Et de la parole, je passe à l'acte. Mais je continue de fauter. Mes vices qui sévissent restent intacts. Mon reflet m'épuise. Mes démons m'attractent. Pour une âme qui reluise juste après le dernier acte. Je crois que là c'est bon, j'ai compris. Rien que de vous dire ça, j'en ris. En lisant ça, je me regarde en face. Et je vois l'autre face de cette pièce dans laquelle je jouais. Celle la victime de l'enfant triste au long passé, qui cherche toujours quelque chose pour justifier un mal-être qu'il s'est créé. Moi qui voulais être acteur, on peut dire que j'ai bien su jouer. Moi qui voulais être réalisateur, mon film était très bien ficelé. Je deviens maintenant scénariste conscient. De ma lumière j'éclaire cette future scène qui se construit au présent. Qui se construit au présent. La vie m'a mis des claques par nécessité. Mais c'est aussi récompenser les cœurs vaillants. Opportunité dans l'adversité. Opportunité dans l'adversité. Dur de s'inquiéter quand on croit au karma et qu'on fait les bons choix. Dur de se dire c'est pas moi quand on conscientise la force créatrice de la pensée. Je veux plus jouer, je veux juste être vrai, trouver ma mission de vie, ce pourquoi je suis fait.